Après avoir débloqué le camouflage obsidian, je n'ai jamais été aussi soulagé. Entre les bugs des serveurs et les défis qui ne comptaient pas en guerre terrestre ou tout simplement quand les serveurs saturaient et me recommençaient à zéro, je devenais complètement fou. Je devenais complètement dingue. Mais dans mon malheur, un truc incroyable va arriver. Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. On va se retrouver concernant le tout nouveau camouflage Obsidian que j'ai réussi à débloquer il y a un jour de cela. Malheureusement, j'ai eu énormément de problèmes, je pense que ça a été le cas de nombreuses personnes que j'ai pu voir dans l'espace des commentaires de nombreuses vidéos. Ça bug, j'ai des problèmes au niveau des défis, etc. J'ai eu exactement la même chose, deux fois ça m'a remis à zéro lorsque j'étais à 80. C'était très 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 embêtant. Donc je vous avoue, on a été dans la même situation, j'étais dans la même situation que vous, tout simplement, mais j'ai réussi à le débloquer, et dans mon malheur, comme vous avez pu voir à l'introduction, j'ai pu claquer une nucléaire en 2 minutes 16 secondes, un truc de dingue, c'est ma nucléaire la plus rapide sur Modern Warfare, et du coup, on va voir au niveau du camouflage, comment est le camouflage Obsidian, étant donné que c'est la seule arme que j'ai en or, en fait, c'est la M4, je me suis vraiment pas amusé à monter les autres camouflages, et vous pouvez voir, donc, camouflage Obsidian sur la M4. Avant même on attaque un peu le petit débat, le petit sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi tu aimes le camouflage obsidian? Est-ce que toi tu ne l'aimes pas? Les goûts et les couleurs, évidemment, je ne juge pas les personnes et également mon avis ne doit pas être jugé. D'accord? Je vais juste dire ce que je pense. Personnellement, pour moi, le camouflage n'est pas terminé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne commence pas à lâcher ton pouce rouge. Ne commence pas. Laisse-moi terminer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Infinity Ward aime bien sortir des camouflages qui ne terminent pas encore et qu'ils aiment bien faire évoluer petit à petit. Ça a été le cas sur Infinite Warfare, pour ceux qui s'en souviennent. Le camouflage diamant a été un peu modifié, la même chose pour le Dark Matter. Les camouflages ultimes d'Infinity Ward sont toujours un peu évolués, ça a été vraiment le cas sur Infinite Warfare, il y a eu des évolutions. Donc je pense qu'en fait ils vont vraiment le faire évoluer ce camouflage là parce qu'il est trop basique, pour moi il est un peu trop basique etc. De nouveau, les goûts et les couleurs, mais c'est fort probable qu'il le fasse évoluer. Voilà, au niveau du camouflage, bien évidemment, je vais vous montrer deux gameplays pour vous montrer tout cela, étant donné que vous êtes également nombreux à me dire « Ouais, LT, trop de Warzone, trop de multi », y a pas de problème. Aujourd'hui, on va se retrouver pour deux gameplays.
un gameplay multi avec une nucléaire réalisée en 2 minutes. Donc de nouveau, vous allez retrouver une nucléaire express en multi, tout ce que vous aimez en 6v6 et non en guerre terrestre. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et deuxième, on va se retrouver pour du Warzone solo. Voilà. Et évidemment, je vous laisse avec le petit suspense des kills à la fin. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Et dis-le dans l'espace des commentaires. Et surtout, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. 1200 likes, j'espère que c'est déjà fait. Et je vous laisse à tout de suite avec des énormes gameplays. Bon, c'est quoi encore comme game? Bon, ok, faut mettre le flag et tous ces deux. De la live. Mec, t'es spawné, il était sur ma gueule. Oh, balance. C'est toi qui as le flag en plus, hein. C'est bientôt le mien de drone améo. La ligne bloquée, gros. Va bloquer, va descendre. Mais stop. J'ai le drone amélioré. Elle est archi stylée en vrai. Hein. J'ai mis la nuque là. L'autre, hashtag 66 pour dire c'est nucléaire. Là, il vient de s'en prendre une, mon pote. Et je sais pas, je l'ai mis en combien de temps, frérot. Je sais pas. Mais ça a été un viol. Ça a été un énorme viol. Allez, c'est parti. Let's go, Superstore. Bon petit moyen de faire pas mal de frags. Ouais, alors par contre il y aura beaucoup de monde. Ok. La porte n'était pas ouverte. J'y ai cru pourtant. Let's go. En vrai de vrai, il m'a mis dans le mal. Hein. Ouh.
Réflexe de dernière minute. Ok, on l'a vu. On l'a vu. C'est lui en fait. C'est lui au top. Touché. On va essayer de faire une technique, on va voir si ça marche. Let's go. Let's go. Qu'est-ce que tu as cru toi? Qu'est-ce que tu as cru? Hashtag arrogance. Là c'était de l'arrogance. Là c'était vraiment de l'arrogance. Enfin bref, je suis content en vérité. C'est juste que je suis content d'être pas mort par un campeur, que j'ai réussi à le déloger assez intelligemment. Et quand je suis un peu content, c'est vrai, je peux être un peu prétentieux. On va dire ça, prétentieux. On fait vite. Ok. Let's go. Let's go. Eh oui, je le protège, mon colis, je le protège. Allez, let's go. On va pouvoir prendre directement notre M4 Obsidian. Qu'est-ce qu'on prend avec? Est-ce que t'aurais pas un sniper? Ouh, ça j'aime, j'aime. J'aime beaucoup ce genre de choses. Par contre, t'avais pas le truc? Ah, si, si, si. J'ai failli oublier. J'ai plus l'habitude, en fait. J'ai plus du tout l'habitude, vous savez, de prendre les sacoches d'armure, vu que c'est plutôt assez nouveau. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On va aller le traquer, hein. Elle est un peu bizarre quand même, ça. Sa classe M4 à lui. Toi, je savais même pas que t'étais là. Il allait récupérer sa classe. Je savais même pas que t'étais dans le coin. Armure brisée. Mais il l'a eu du coup ou il l'a pas eu? Parce que ça me fait peur maintenant cette histoire. Non, non, t'es mort. Mais je sais pas si l'autre il est encore mort. Let's go. En fait, ce qui me fout les boules, c'est qu'il a lâché, il a lâché sa voiture au pire des endroits possibles. Donc du coup, il me fait douter de savoir si sa présence est encore dans les parages. Vous me recevez, leader? On demande un survol. Okay. De bon, il y a quelqu'un. Ok, bah et, du coup, il a pris la voiture. What the fuck? Ok, toi t'es mort. Mon ennemi au-dessus.
en a un autre qui lui a tiré dessus là. Let's go. Il m'a volé le kill. C'est pas juste. Toujours pas mort. Pourtant, qu'est-ce que je sens, il mit des balles, hein. Ils sont entre tués là. Ah lui, il voulait absolument retourner dans ses fougères. Ah le mec, il est déter comme jamais, hein. C'est... Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas de cet endroit. Incroyable. On sait qu'il y a du monde dans le coin. Putain, mais tu viens d'où? Mais tu viens d'où? Oh là 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 là. Dommage. Bon, bah 3 secondes. J'aurais attendu 1 minute 20 dans le goulag. En espérant que quelqu'un soit là. Personne n'est là. J'ai pas pu récupérer mes classes. J'espère qu'il y a un largage, quoi. Parce que là... On va attendre que la zone se ferme. Parce que normalement, il devrait quand même avoir un petit largage. Ah, bah voilà. Je me disais aussi... Oh oh, il y a quelqu'un à côté. Fightez-vous, fightez-vous, fightez-vous. Let's go. Il me faut juste des munitions derrière, frérot. Juste des munitions derrière. Il y a un peu de plaque, je dirais pas non. Mais ils en ont pas. Oh si si, il en avait. Pourquoi il en a pas mis? Ah, par contre, je suis en plein middle map. Il y a le sac à côté, ouais, mais il faut que je bouge intelligemment maintenant. Ok. On reste plus que 10 et on est à 14 kills. Il est à blanc. Ok, let's go. 15 kills. Ok. 16 kills. Est-ce que le 20 kills est encore possible, monsieur? Mort. On a 17. Ah, il se fight là. Non? Non! Non! Mais je l'ai pas vu! Oh non, t'es vraiment sérieux là? Je voulais juste chercher le kill moi! Oh non, dommage. Je voulais juste chercher le kill. Je voulais juste chercher le kill. Et j'étais un peu idiot. Du coup, on est à 17 kills en solo. Franchement, ça passe. 17 kills solo. De toute façon, le but, c'était juste vous présenter le camouflage. Comment il est sur Warzone. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde.